le prince Harry et Meghan Markle sont apparus ensemble pour la première fois depuis que le duc de Sussex a annoncé sa venue seul au couronnement de Charles III. Ils ont fait taire les mauvaises langues qui voudraient faire croire que leur couple bat de l'aile. Meghan et Harry adorent tous les deux le sport et plus spécifiquement le basketball. Les parents d'Archie et Lily Bay se sont rendus le 24 avril à un match de play-off des Lakers contre les Memphis Grizzlies à Los Angeles. Aux États-Unis, lors des événements sportifs, il existe une tradition, la Kiss Cam. Une caméra filme le public et vient se fixer sur un couple dans les gradins. Lorsque leur image est projetée sur les écrans géants qui surplombent le terrain, ils sont censés s'embrasser, encouragés par les applaudissements du public. De nombreuses demandes en mariage ont eu lieu devant les Kiss Cam. Meghan Markle n'était apparemment pas d'humeur ce lundi 24 avril. La Kiss Cam est venue se poser sur la comédienne et son mari le prince Harry. Tandis que les milliers de spectateurs encourageaient le couple à s'embrasser. Le prince Harry s'est penché vers Meghan Markle pour l'embrasser. Mais cette dernière l'a gentiment repoussé en lui pinçant le bras. Le prince Harry n'a pas retenu une petite moue de déception et d'étonnement. On peut cependant voir Meghan Markle radieuse dans un ensemble rose saumon, rire à gorge, déployée, presque embarrassée de se retrouver projetée sur l'écran géant de la Kiss Cam. Harry et Meghan toujours aussi complices? Ce refus de la part de Meghan Markle peut surprendre. En effet, à l'approche du couronnement de Charles III, les rumeurs sont nombreuses. Certains experts avancent que l'ancienne comédienne et le prince seraient en train de s'éloigner en raison de leur relation complexe avec la famille royale. La duchesse souhaiterait couper les ponts avec celle-ci, tandis que le prince Harry tient à maintenir un lien avec son père et son frère. Aussi, le prince Harry assistera seul au couronnement de Charles III, laissant Meghan Markle et ses enfants en Californie. Le fils du roi Charles III ne fera cependant qu'une apparition éclair à la cérémonie avant de rentrer en avion fêter le 4e anniversaire de son fils. Une manière de couper la poire en deux,